What? Oh, merci. Sérieux, il y a des gens, ils m'amènent et ils disent jusqu'au... Bon, on va partir, est-ce que vous pouvez prendre soin de notre peu? Il s'appelle Bertie. Bon, bah ok, on va prendre soin de Bertie. Je vous promets, cher marin qui vient de me donner cette poule, de prendre soin de cette poule jusqu'à ce que je finisse ce live. Bon, après être amusé, on se retrouve avec Bertie. J'adore la poule Bertie. Les gens, ils nous laissent une poule. Bertie. Écoutez, bah, on va aller voir une autre quête d'or ou on fait une petite livraison marchande. Voilà, tout le monde me dit quête, ok, j'ai bien compris. Ça veut dire ferme ta gueule avec tes putains de conneries de marchand. Il va chasser, putain. Ou alors, je suis pas gentil, je vais revendre la poule. Non, j'avais dit, je garderai cette poule. Ah oui, bah là, il y a des îles, c'est bon. Alors ça, je sais très bien que c'est... C'est... Putain, où est-ce qu'elle est, cette putain d'île? Ouais, les croquettes de mast, putain, mais c'est à Babelwed, ça. J'ai pris une quête, c'est à Babelwed. Et celle-là qui est... Bon, écoutez, regardez-moi cette carte. Donc là, on va aller à Devil Reach, déjà. C'est ok, allez, here we go. Salut à tout le monde. Je sais pas parler. Alors, déjà, faut éviter ce putain de navire fantôme. On n'a toujours pas de chaloupe. Ah, il y a une chaloupe là. Oh, il y a une chaloupe là. C'est un signe. Ça veut dire que ça va partir en couille. Hop, j'ai ma chaloupe, maintenant on peut se barrer. Ça veut tout dire, ça veut te dire, prépare-toi. Parce que s'il y a un kraken ou un putain de bateau fantôme qui va arriver, ça sent plus le bateau fantôme ce soir. Le kraken ne le sent pas. Ça m'est déjà arrivé de croiser des mômes là-dessus, des enfants qui jouent aussi aux chips. Bon, en même temps, c'est un jeu qui t'attire à tout le monde, mais quand tu connais pas. Là t'as envie de chanter les enfants, ça sert à rien, faut les brûler comme au Brésil. J'aime pas quand on ralentit comme ça parce que des fois ça sent le kraken. Enfin, en même temps on est un peu coulé, j'en ai rien à foutre, j'ai rien sur moi. Alors, je veux vous la mettre la chanson parce que vous la connaissez pas. Toi l'enfant, t'es comme un adulte normal sauf que toi, tu ne sers à rien. T'es pas autonome, t'es assisté par tes parents. Bah moi les gens comme toi, je te les renvoie dans leur pays. Les enfants, ça sert à rien. Faut les brûler comme au Brésil. Génial. C'est génial cette chanson là. Par contre on part plus dans le bon sens là. Il est où le bateau fantôme est derrière? Nickel, on l'a semé cet enculé. Pourquoi j'ai parlé comme ça, je sais pas. Alors Bertie. J'adore. Voilà. Nickel, comme ça on a Bertie face à nous. Putain mais il y a le feu sur l'île ou quoi? Il y a les gilets jaunes sur l'île. Ils sont en train de brûler l'île. Voilà, je le sens bien. Oh, il s'est tapé le rocher. Tu t'es tapé Yves Rocher. Pardon. Attends, c'est par là? Ah non, plus près des cailloux, ok. Donc là. Là. Deuxième fois. Ah putain, l'orage est passé. Ouh, ça y est, ça commence à tourner bon pendou là. Oh putain, il y a un putain de baril de poudre. Je me casse, hein. j'ai pas de balles. Là, j'ai joué avec ma vie. Oh non, me dis pas, c'est celui qui pleure. Oh non, ça fait chier. On va pas pouvoir aller à l'autre île. Parce que là, on va en avoir pour je sais pas combien de temps. Un coffre comme ça, t'es obligé d'aller le revendre tout de suite, tu peux pas attendre. Ah non, quoique c'est le grog. Si c'est le grog, ça va. Mais t'es juste bourré le temps que tu l'as en main. Donc là, le temps d'aller au bateau, on va galérer. Donc ça, t'es sûr que quelqu'un, personne va te le piquer. Ça, c'est sûr. Personne va te le piquer. Ah non, mais me mets pas dans les serpents, putain de coffre de merde. Donc là, maintenant, faut aller au nord. Au nord, clairement au nord. Il n'y a pas plus nord. Donc faut aller au nord. Voilà. Comme ça, au cas où, j'aurai tous mes coffres dans ma chaloupe et je peux me barrer. Il va par là-bas, on va contourner légèrement. On va passer derrière lui parce que je suis désolé, mais j'ai pas envie de me le taper. Est-ce qu'on s'arrêterait pas à l'avant-poste? Pour être sûr. Si, on va s'arrêter à l'avant-poste. Si, pour être sûr, on va s'arrêter à l'avant-poste. Parce que là, le bateau pirate, je le sens pas. Clairement pas. Je le sens pas du tout. Mais pas du tout. Mais j'arrive plutôt bien à utiliser la chaloupe, ça va.
Là, sauf là où je me mets dans les rochers, clairement. Combien coûte le capitaine déjà? Ah oui, quand même. Quand même, quand même. Non, moi je veux prendre un coffre. On va finir par le grog. Crooked Mast. Et c'était quoi d'ailleurs? Il y avait combien de coffres là-dessus? Il y avait deux. Ah putain, j'aime pas cette île là. Je déteste cette île là. C'est rempli de serpents as fuck. Clairement. Tu peux fermer ta gueule, Becky? Je m'occupe de toi gentiment parce que des pirates t'ont laissé à moi, mais je m'en bats les couilles de toi sinon. D'accord? Oui, j'ai. Les dégâts qui m'arrivent avec une sloop. Imaginez si j'avais une brigue. Ça m'est arrivé une seule fois, j'ai pris un délire, une brigue. Tout seul, j'ai fait qu'un aller-retour à un nul, c'est tout. Parce que je sentais pas de conduire une brigue, j'irais deux voiles comme ça, je pourrais pas. J'ai vite compris que. Ah putain, mais c'est là les pavillons, putain! J'ai jamais compris où c'était. Ah voilà, on a mis. Ah voilà, on a un pavillon, cool. Putain, j'aurais découvert quelque chose avec vous en live. Quelque chose que je ne savais pas. Découverte des pavillons. Alors là, on part vraiment vers le mauvais temps. Ah, c'est cool, je suis content d'avoir un pavillon. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis content d'avoir un pavillon. On n'a pas vu de mégalodon, pas de kraken, rien ce soir. Ah putain, il y a une viande de mégalodon. J'aimerais bien bouffer. En plus, il va faire sombre sur cette île de merde où il y a plein de serpents. J'aime pas cette île de merde, j'aime pas. Bon bah voilà, le voyage est terminé, les amis. It's ok, it's over. Bah déjà, on va aller vendre ces coffres. Et on va faire peut-être encore une autre petite quête, peut-être. Oh, mais c'est un mégalodon, c'est rien, ça. M'attaque pas, toi, parce que sinon, je t'encule ta main. Tu me fais moins peur qu'un kraken, toi. Toi, je peux te combattre. Putain, t'as de la chance, j'ai plus de balles. Bouge pas, je vais en chercher. Becky, tu surveilles. Qu'il s'en aille pas, parce que je veux niquer sa mère. On a terminé ce live en même temps, ça fait presque 2 heures qu'on y joue. On s'est occupé d'une poule, on l'a promis, donc on le fait bien. Peut-être nul ce que je chante, je le sais très bien, j'ai l'air au con. Voilà, allez. On va vendre ses coffres pour à rien du tout. En même temps, c'est si off-season, on te nique ta gueule. Tu prends 300 ans, aller chercher des coffres et on te dit que ça vaut pas cher. Allez, Galen Grave, on va finir là-dessus. Si, si, on va finir là-dessus parce que moi j'ai très chaud. J'ai encore envie de jouer, mais je pense à ma santé avant tout. Je vais aller me poser. Alors là, on peut foncer sans mettre l'ancre, on s'en bat les couilles parce qu'on va, on va décamper après, donc on s'en branle. Mariam, il aurait été avec moi, il aurait fait on s'en branle, on s'en branle, on s'en branle. Et toi, c'est dans les prochains épisodes, vous me direz si vous voulez voir la prochaine fois qu'on viendra sur ce type, si on va aller rechercher Becky à chaque fois sur une île. Cette île, je la connais par cœur. Elle est petite, mais c'est à mon poste, je la connais par cœur. Ou alors, on la revend pas et puis. Je crois qu'au truc marchand, je crois que tu peux la revendre. Ouais, je suis désolé. Ah, je peux vendre la poule. Ah, ça me fait chier de la vendre. Mais ah, ça me fait chier de la vendre parce qu'on avait que des choses avec. Voilà. Mais je sais pas combien ça vaut. Si ça vaut que dalle, je m'en voudrais. Parce que putain, cette poule, on a fait des choses. Un mec peut la confier, quoi. Et ça me fait chier. Bon, c'est à contre-coeur qu'on va vendre Berky. Parce que. Voilà. T'as besoin d'argent. J'espère que tu vas me rapporter beaucoup d'argent, Berky. Et au pire, on te retrouvera sur une île. Berky, je te le promets, on va te le retrouver. 135. Je suis désolé, Berky. 135. Je suis désolé. Ah putain, mais ça me fait chier de l'avoir revendu. Tellement. Ça me fait tellement chier de l'avoir revendu. Bon, bah, il était très bien ce live en tout cas. C'était très très plaisant ce petit live. Hein. Et en tout cas, j'espère que ce live vous aura plu. N'hésitez pas à follow. Et pour ceux qui regardent la vidéo, bah, mais n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et tout ça. Pour ceux qui regardent le replay et tout ça. Et du coup, on vous dit bah, à très bientôt pour un nouveau live et puis aussi pour une nouvelle vidéo sur la Top Prod. Allez. Bonne fin d'après-midi à tout le monde. Ciao à tous. Et n'oubliez pas, les enfants, ça sert à rien. Faut les brûler. Comme au Brésil. Salut à tous.